Dans l'actualité aussi, la fin de la grève à Perrache. Fini le piquet de grève et fini les déchets un petit peu partout. Les agents en charge du nettoyage ont été forcés de lever leur mouvement qui aura duré 10 semaines. Une vingtaine d'agents sur le carreau, on le rappelle, après la décision de la métropole de changer de sous-traitant pour le ménage à Perrache. Changement qui était prévu fin décembre, mais ça a été avancé finalement. Les grévistes espèrent être reclassés ou avoir des indemnisations, mais sans garantie. On a ramassé notre matériel, on a vidé les locaux. La déception et la colère. La colère parce que la métropole de Lyon, elle ne voulait rien entendre. On attend qu'ils ont demandé que la société annonce le plan PSE, le licenciement économique. Ils vont nous trouver des places pour certains. On attend à ce qu'ils tiennent à leur promesse ou non. Personnellement, je n'ai rien qui se passe dans la tête, je ne comprends rien. C'est un choc, quoi. C'est un choc.